Bienvenue à tous, et ça va un peu remplacer ma survie du week-end pour le moment. Donc je vais faire quelques épisodes, je préviens directement, le jeu n'est pas encore sorti, il est en Early Access, donc je n'ai pas l'habitude vraiment de faire une série sur un jeu qui est en Early Access, mais c'est vrai que je suis plus ou moins amoureux de ce jeu, et je fais que y jouer, c'est un problème. Et du coup, pas mal de gens m'ont dit que ce serait bien d'avoir une série sur ça, donc pourquoi pas. Mais dans tous les cas, donc en gros ça va être quelques épisodes, je promets pas de finir parce qu'il n'y a pas vraiment de fin dans ce genre de jeu. Mais en tout cas, je pense que ça va aider pas mal de gens qui débutent dans cette aventure. Je vais en gros partager tout ce que j'ai appris depuis que je joue, j'ai à peu près 180 heures. Donc je vais partager tout ce que je sais. Et je vais aussi sûrement faire des grosses coupures parce que c'est des cycles en fait, donc un cycle c'est un jour par exemple. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler, des fois il y a des moments ça va pas vraiment être très très intéressant. Donc du coup je vais faire des coupures pour qu'on aille plus vite. Je vais essayer d'un peu de compacter on va dire tout ce qui se passe dans des épisodes qui sont un peu, on va dire intéressants à regarder. Je veux pas qu'on se fasse chier pendant 20 minutes en regardant les gens construire des choses. Donc voilà, on va se lancer. On va se lancer. Donc survie, start game, c'est parti. Alors dès le début, vous avez le choix entre 3 duplicants. Donc ce sont des sortes de clones. Donc on va les choisir sur mesure. Alors personnellement, moi je prends toujours 2 travailleurs. Donc je vais les appeler The Worker. Genre John the Worker. Donc les travailleurs sont un mélange. On va dire que avant, je faisais 2 catégories. Je faisais ceux qui construisent et ceux qui creusent. Mais maintenant, vu qu'après ça ferait trop de différentes catégories, je les mélange plus ou moins. Et donc ceux qui travaillent, ça va souvent être ceux qui construisent et qui creusent. Donc ça va être ma partie travail. Et après, je prends toujours en troisième un chercheur, un scientifique, un mec qui a beaucoup en learning, comme ça toutes les recherches vont aller beaucoup plus vite et on va développer beaucoup de choses assez rapidement comparé à quelqu'un qui n'a pas. Alors lui par exemple il a 8 en digging, donc c'est pour creuser extrêmement bien, extrêmement élevé. Déjà c'est très rare de voir 8 ou 9, j'ai déjà vu 9, hein, c'est possible. Donc déjà de base 8 ou 9 c'est très 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 bon. Par contre il a narcoleptique. Ça c'est extrêmement chiant. En gros il va s'endormir des fois un peu partout sans réelle notice. Donc il peut s'endormir dans des endroits avec de l'eau, des endroits où c'est qu'il n'y a pas d'oxygène. Ça peut être extrêmement chiant, donc on va pas le prendre, on va le virer. C'est un peu chiant parce qu'il a énormément en digging. Les autres après ils ont pas vraiment de choses très très intéressantes. Mais en tout cas je vais sûrement couper. Et je vais vous montrer les personnages que j'aurais choisis, parce qu'on va pouvoir les changer et ça risque de prendre un moment. Donc on va faire ça, on va couper et je vais vous montrer les personnages que j'aurais choisis. Donc je voulais faire juste une pause par rapport à ma recherche de duplicant. Donc pour le moment j'ai lui, donc il a athlétisme 5, donc il va courir beaucoup plus vite. Ça c'est vraiment je pense un des attributs les plus importants du jeu parce que les mecs font des allers-retours constamment, donc plus ils vont vite et plus ils font de choses. Il a donc pour creuser il a 5 points, ce qui est bien, ce qui est potable. Et après en force il a 3. La force est bien parce que ça leur permet de porter beaucoup plus de choses. Parce que pour crafter en fait il faut d'abord apporter les objets, les placer dans la case où c'est qu'on veut crafter des choses et après crafter, enfin construire après. Donc voilà, donc la force aussi est bien. Donc je fais toujours un peu un mix entre creuser, construire, force et athlétisme pour les travailleurs. Après les choses négatives, donc il a une défaillance pour le... pour l'immunité. Bon c'est pas très très grave. Et après alors j'en ai deux scientifiques qui sont vraiment bien. Alors le premier c'était lui, j'avais lui. Donc il a plus 8 en learning, donc c'est très très bien, ça va à 320% de vitesse pour la recherche. Et après j'ai lui qui a plus 7. Par contre je voulais en fait montrer ça. C'est que par exemple lui il a kindness. Donc kindness c'est pour tout ce qui est traitement médicaux. Donc aider quelqu'un qui est blessé. Ou alors non c'est ça, c'est ou quelqu'un qui est blessé. Ou alors quelqu'un qui est contaminé par une maladie, des trucs comme ça. Par contre il a ça. Et ça en fait ce trait lui permet pas de faire tout ce qui est travaux par rapport à care. Et bah, care c'est ça.
Donc c'est ça. En fait, il a plus 1, mais ce plus 1 est complètement inutile parce qu'il ne peut pas faire ce travail-là. Donc du coup, je cherchais une autre personne et je suis tombé sur lui. Et je pense qu'à la place, je vais prendre lui. Pourquoi ? Parce que bah, déjà, bon, il a 7, c'est un peu embêtant. Mais au moins, il peut faire déjà tous les boulots. Et il n'aura pas un point gâché. C'est-à-dire que là, il a ranching. Donc ça, c'est pour tout ce qui est... élevage de petites bestioles qu'on va trouver au fur et à mesure de l'aventure. Et du coup, bah, ça peut être utile, ces trois points. Plus tard, peut-être, parce qu'au début, ça va surtout être un scientifique qui fait des recherches. Mais plus tard, ça va aider. Donc voilà, je voulais montrer en fait la différence. C'est que même si vous voyez des fois un très bon niveau en attribut, il y a des choses qui peuvent en fait contrebalancer et donc du coup vous allez vouloir changer de personnage. Parce que les trois premiers du début en fait sont très faciles à avoir, enfin il faut vraiment les faire un peu vraiment sur mesure. Là ça va faire 10 minutes que je suis en train de chercher 3 sur mesure et j'ai pas encore fini. Donc voilà, donc pour l'instant on en a deux, on a lui en travailleur et on a lui en scientifique. Et maintenant, on va changer le troisième. Donc, quand j'en aurai trouvé un troisième, on commencera l'aventure. Alors, je pense qu'on a trouvé nos trois duplicants de départ. Donc, on a Bert, The Worker. Oups, pardon. Voilà. Alors, lui, ça va surtout être le mec qui creuse. En priorité, on mettra creuser pour lui. Elle, ça va être pareil, Worker. Oh, mince. On est reparti pour rechercher des duplicants. Ok, on est de retour. Ne pas appuyer sur cette touche. Donc, j'en ai trouvé une. Elle a 4 ans pour creuser et 5 en construction. Donc, elle aussi, ça va être un worker. Catégorie worker. Enfin, moi, je fais mes propres catégories à moi. Et on va, en priorité, on va la faire construire, parce qu'elle a plus 5, donc elle va construire beaucoup plus rapidement. Donc les deux, ces deux-là vont creuser et construire pendant que lui fait des recherches. Donc on va l'appeler Rowan, the scientist. Voilà. Et voilà, et nous avons notre début. Shinra Inc. Et on est bon. C'est parti. Et nous sommes ici. Alors dès le début, on va mettre pause. Et on va un peu regarder nos alentours. J'aime bien regarder en fait les alentours quand on commence. Et après, j'aime beaucoup en fait dessiner la base en avance. Et après, les laisser crafter, les laisser construire. Beaucoup de granit et de roche ici. On a beaucoup de copper. Là, c'est pas mal. Enfin, beaucoup. C'est pas énorme. Là on a du charbon, un peu de charbon. Là on a pas mal de copper avec un peu de charbon ici. Coal c'est le charbon donc ça va être utile pour alimenter les générateurs. Là on a des algues, voilà on va appeler ça des algues. Ça c'est pour l'oxygène, en tout cas au début. On a une poche d'eau, deux, trois. Elles sont pas conséquentes non plus, les poches d'eau. Mais ça peut être sympa, ça peut être intéressant. Nous avons beaucoup de zones avec pas grand chose en fait. Là on a du vacuum donc on n'a rien. Là on a très peu d'oxygène. Là aussi on a très peu d'oxygène. Là beaucoup de dioxyde de carbone, ça c'est un problème. Là aussi pareil. Là on a un peu d'oxygène. C'est pas top. Pour le moment ça... C'est pas énorme, c'est pas... J'ai vu des sites beaucoup mieux. Mais voilà, c'est un début. Alors, déjà. Donc ça, c'est pour la nourriture, on verra après. Alors, les duplicants, la priorité. Alors, déjà, moi, je mets tout le temps la priorité pour le combat très haute. Comme ça, en fait, si je leur dis d'attaquer une bestiole qui peut contaminer la base, par exemple, tout le monde va le faire direct. Voilà, il n'y a pas de... Ils vont pas chercher à comprendre, ils vont directement le faire, donc ça, c'est bien. Alors, life support, ça, c'est tout ce qui... C'est pour gérer la colonie. Donc, pour l'instant, ça va être le scientifique qui le fait, parce que eux, ils vont travailler droite à gauche. Donc, c'est le scientifique, lui, il va rester à la base, surtout. Tout ce qui est switch, donc fermer les portes, les loquer, les déloquer, etc. Ou alors des machines, les éteindre et les allumer. Je vais mettre sur tout le monde, comme ça le plus proche en fait va le faire.
Care pour l'instant, on n'en a pas besoin. Ça, tout ce qui est nettoyage des toilettes ou des trucs comme ça, je pense que ça va être le scientifique aussi qui va le faire. Comme ça, les deux seront libres pour travailler parce qu'on va beaucoup creuser et construire en ce moment hein, parce que c'est le début. Donc voilà. Donc, même si lui, il a 5 ans d'athlétisme, en fait, ils mettent athlétisme dans cette catégorie. Pourquoi? C'est parce que, en fait, en gros, ça se traduit par faire beaucoup de choses dans la base. Donc, par exemple, donc, comme je disais, nettoyer les toilettes, tout ça, à réparer les choses, mettre l'algue dans le générateur là pour que ça fasse de l'oxygène. Donc, en gros, il faut aller à droite et à gauche, en haut, en bas, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'ils mettent l'athlétique. Donc, lui, il va courir plus vite. Donc, du coup, ils veulent que ça soit lui. Mais bon, pour l'instant, on s'en fout. Cook, ah, on s'en fout pour le moment. Recherche. Donc, lui, ça va être sa spécialité. Il va d'abord faire rechercher les choses. Operate, on va aussi mettre pour le moment le scientifique. Operate, c'est tout ce qui est par exemple. Vous voyez les roues qui font de l'électricité? On va les voir dans pas très longtemps. C'est les premières choses qu'on va débloquer. Enfin, qu'on va crafter plutôt que construire. Et du coup, les roues en fait vont surtout être proches de l'ordinateur où le scientifique travaille. Donc, du coup, c'est lui qui va produire sa propre électricité. Donc, encore une fois, on laisse les deux libres pour se balader, pour construire et tout ça. Farm, on s'en fout pour le moment. Ranch, on s'en fout aussi. Alors, construire. Donc, ça va être elle qui va construire en premier. Et elle va aussi avoir un plus en creuser. Par contre, lui, on va faire l'inverse. On va faire 2 et 1 là. Et après, supply, pour le moment, on n'a pas vraiment besoin. Et storage non plus. Pour le moment, c'est pas vraiment des choses intéressantes. Donc voilà. Donc en gros. Lui, le Burt va être spécialisé pour creuser, parce qu'il a plus 5. Il va aussi construire, quand il n'y a pas à creuser, en fait, il va construire. Donc voilà, mais sinon, sa priorité, ce sera de creuser. Elle, ça va être l'inverse. Sa priorité, ça va être de construire. Et si il n'y a rien à construire, elle va creuser. Donc voilà. Et on est bon? On a notre équipe? On est bon? On va commencer. Alors, au début, j'aime bien dessiner ce qu'on va faire. Donc là, on a pas mal de tout simplement de la terre et tout ça. Donc on va creuser là. Alors par contre, c'est un problème, c'est ça. Je sais pas trop quoi en faire de cette zone d'eau. C'est une zone d'eau, celle-là aussi. À la limite, ce qu'on pourrait faire, parce que là, en fait, on est un peu bloqué niveau de la base. Si on monte, l'oxygène monte, donc c'est un peu un problème. Donc, je voudrais en fait aller plutôt vers le bas, personnellement. Donc, je pense qu'on va à la limite creuser là, faire tomber cette eau ici, et peut-être lier les deux flaques d'eau, là, enfin les deux poches d'eau. Comme ça, on aura tout l'étage en dessous qui sera libre pour nous. Donc, je pense qu'on va faire ça. Donc on va les laisser co commencer à construire. On va faire ça. On va enlever ça. Donc voilà. Par contre, il va falloir faire attention à ici parce qu'apparemment on a de la slime. Donc on va pas aller trop près de la slime. On va éviter. Vous voyez, parce que là c'est tout contaminé, tout ça. Là non. Là non. Là non. Donc voilà. Faut faire gaffe. Ouais, faudra faire gaffe à ce côté-là. C'est un peu. Ça c'est chiant quand on a de la slime, surtout au début. Donc voilà, maintenant on peut commencer à construire des choses. On va commencer à faire une échelle ici par exemple pour que je puisse arriver au bas. On va faire un trou là. Voilà. Et ce qu'on va vouloir faire au début, donc ce sont tout ce qui est toilettes en fait. Voilà, tout simplement. Ça va être tout ce qui est toilettes. Et après, on va trouver, on va faire un endroit pour dormir. Mais le début, c'est le plus important, c'est le toilette. Donc c'est ça pour le moment. Donc vous voyez que elle va directement construire au lieu de creuser. Parce qu'on lui a dit de faire ça. Donc voilà, on peut leur dire aussi d'aller faire ça directement. Comme ça, on frappe petit à petit. Très bien. Voilà. Alors. Vu que ça commence à prendre forme et qu'on a du matériel sur le sol, ça aussi on va faire tout maintenant parce qu'on a trouvé des nouveaux ingrédients. Donc voilà, maintenant en nourriture on devrait avoir ça. Voilà. Alors le début, moi ce que j'aime bien, c'est que. Alors vous n'avez pas beaucoup de nourriture. Vous avez des barres de nutriments là. Vous en avez 20 kilos. C'est pas énorme.
par contre, vous allez trouver beaucoup de choses comme ça, des muck routes. Alors les muck routes sont souvent en fait dans, là-dedans, c'est dans des crevasses parce qu'il y a écrit objet enterré. Et du coup, je conseille souvent de, par exemple, si vous passez un endroit, bah, creuser ces endroits-là, même si ça fait un trou, tout ça, c'est pas grave, parce que les duplicants peuvent enjamber. Mais creusez ça, comme ça, vous allez trouver en fait de la nourriture. Et à chaque fois, bah, ça va vous aider en fait pour la nourriture pour le moment. Parce qu'on n'en crée pas. Hein. Pour le moment, on a un stock très limité et on n'en crée pas. Donc c'est important. Donc faites ça, ça aide énormément. L'oxylite, ne pas la détruire parce que l'oxylite en fait génère de l'oxygène. Vous voyez qu'en fait elle va, sa masse va réduire, donc elle fait 162 kg et là elle baisse 161, 160, etc., etc. Donc ne pas la détruire, juste la laisser mourir d'elle-même, de se vider de son oxygène. Comme ça toute la zone va être pas mal oxygénée, donc c'est bien. Alors maintenant, nous avons un peu de matériel par terre, donc on va vouloir faire des salles. Alors c'est le début, c'est ce que je fais. C'est des salles. Donc on va d'abord faire, comme j'ai dit, pour tout ce qui est toilette avec un endroit pour se laver les mains, tout ça. Donc ça va être une latrine, si je dis pas de bêtises. Et voilà, et quand on aura fait cette salle, ça va nous faire un moral de plus 1 dans cette salle. Donc c'est bien pour les gens. Alors, faut pas que ça excède 64... cases, et il faut que ça soit minimum de 12 cases, donc je crois que c'est 24 x 4 si je dis pas de bêtises. Donc nous on va en faire une plus petite parce que j'aime bien en fait en faire deux à chaque fois, donc on va voir un peu ce que ça nous donne. Donc par exemple, voilà. Alors j'aime bien dessiner en premier, je mets souvent pause pour dessiner en fait comment la salle va être. Et après, je les laisse creuser. Si ça me plaît, je les laisse creuser comme ça. Si ça me plaît pas, on la refait. Donc voilà, j'aime bien faire deux salles en fait. Donc là, on a deux espaces. Après, on mettra par exemple une porte. Et ce qu'on pourrait faire, c'est en faire un deuxième. Parce que pourquoi pas. Tac. Après, on arriverait justement juste là. Juste devant la nourriture en fait. Après ça, on va le détruire. Le 5, ouais non, pour l'instant on va pas faire ça, on n'a pas besoin. Mais voilà, on en aura. On pourra en faire une plus grande en fait. Hop là, on va faire ça. Voilà. Donc là on a tout ça. Voilà, c'est 16 x 4, donc c'est bon, on est dans les. On est dans le quota des maximum 64, donc c'est bon. Ça nous ferait 1, 2, 3 et 4. Voilà, parfait. Oui, c'est 16 x 4, pas 24. 24, c'est pour les grandes salles, pardon. C'est pour les grandes salles. Je crois à 128, si je regarde bien. Il y a des salles qui sont à 128. 120, 64, 96. 120 ou 128, je crois. Ouais, c'est celle-là, 120. Ouais, ça sera pour plus tard, désolé. Donc voilà, là nous sommes au maximum de la salle, donc ça c'est très bon. Donc là on va servir du mur, on va le laisser, on va pas le détruire pour l'instant. On va pas détruire ce qui est pas utile à détruire. Par contre là on va devoir boucher les trous, donc on va faire ça. À la limite on pourrait déjà faire un sol. Après le plafond ça va... Ah par contre le sable va tomber, donc ça va être un problème. À la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est ne pas creuser là. Ne pas creuser là. Comme ça, le sable ne va pas tomber. Donc voilà. Là, on aura notre salle. Ouais, c'est bon, on est parti. On est bon. On est bon. Alors lui, le scientifique, il va remplir aussi le container parce que on l'a mis un peu en priorité. Ah, mince. Alors, on va devoir boucher quand même le trou. Non, pas comme ça. On va devoir quand même boucher le trou par en haut. Voilà. Parce que là, quand on va creuser, en fait, ça va faire tomber à chaque fois. C'est pas grave. Donc voilà, on va faire une échelle aussi qui monte.
On va faire comme ça. On va faire ça. Voilà. Voilà, là on est bien. Je regarde un peu comment ça se passe. Là on est bien. On y va, on avance un peu. Donc voilà, on va déjà avoir nos toilettes. Ce qui est bien. Ce qui est important. On peut leur dire de construire les toilettes en premier. De faire cette salle en fait en premier. On va peut-être faire ça. Voilà. Comme ça ils vont faire ça en premier. Parce qu'elle est en train de construire l'échelle. Parce qu'on a fait l'échelle avant. Mais le plus important ça serait de faire les toilettes. Donc voilà. Si on regarde, on n'a pas encore la salle. Pourquoi? Parce que il y a ça. Ça manque de ça. Il y a trop de cases en fait. Là on va ouvrir la porte. Alors ce que j'aime bien aussi c'est mettre 9 pour les portes. Comme ça ils font ça en priorité. Et si vous gardez les portes ouvertes, ce n'est pas grave, ça va compter comme une salle. Donc vous inquiétez pas avec ça. Donc voilà, par contre il va falloir passer par là pour aller fermer cet endroit là. Voilà, très bien. Il va falloir aller récupérer de l'eau aussi. Oh, qu'est-ce qu'on a? Oh, bien, bien, bien. On a un cool Steam Vent. Alors, lui, il va faire du steam, c'est de la vapeur d'eau. Donc voilà, c'est de la vapeur d'eau. Par contre, ce qui est un problème... Bon, ça, c'est la température. Là, c'est un peu chaud. C'est un peu trop chaud, même. Notre bulle, en fait, est très petite, je trouve. Que notre bulle de température est très petite. Après, ça devient très chaud très vite. Alors, le problème avec ça, si on regarde... Alors, ça crée de la steam, donc la vapeur d'eau, à 110 degrés. C'est extrêmement élevé. Et du coup, ça risque d'être un problème. Donc, on va s'en occuper de lui, parce que ça va nous permettre d'avoir... de l'eau plus ou moins illimitée et du coup de l'oxygène plus ou moins illimité. Mais il va falloir qu'on refroidisse tout ça parce que ça va faire du gaz. On va récupérer l'eau, mais l'eau va être très chaude aussi. Normalement elle devrait être très chaude. L'eau à 30 degrés. Non, elle est à 30 degrés pour le moment. Mais quand il va commencer à émettre de la chaleur et tout ça, ça va aller très vite, très haut. Mais voilà, ça va être un problème. Donc ça va falloir le gérer. Il va falloir utiliser du matériel qui conduit pas la chaleur, etc. Pour éviter que notre base prenne trop la chaleur, en fait. Qu'on est trop chaud. En tout cas, maintenant, on a ça qui est fait, ce qui est bien. On va leur dire de travailler ici. Jusque là. Alors en dessous, alors comme j'ai dit, on va aller creuser ici. On va devoir aller un peu n'importe où en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors ça va être un gros problème, donc ça on n'ira pas. On n'ira vraiment pas, pas maintenant en tout cas, plus tard. Pour éviter tout problème. Là ça va être abyssilite, ça va être un peu dur de creuser. Là on a de l'algue, c'est pas mal, on a du charbon, on a pas mal de charbon. Là, on a des grosses poses de charbon, donc on va devoir monter. Pour récupérer le charbon. Là on a des poches d'algues. Ouais, on a ça. Ça va, franchement c'est une bonne seed au final. C'est une très bonne seed. C'est pas si mal. Alors là ils vont dormir un peu n'importe où parce qu'ils ont pas de lit. Aussi, tiens, en parlant de ça. Moi ce que j'aime bien faire en fait dans leur emploi du temps. Donc on va appeler ça day shift. Ce que j'aime bien faire en fait c'est changer la pause. La pause je la mets toujours après 10 heures de travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là et là. Alors pourquoi je fais ça? Parce que en fait là ça va faire 2 heures de pause. Après ça va faire 3 heures de nuit. Et après ils vont se laver pendant 1 heure. Donc ça fait énormément d'heures où personne ne travaille. Aussi, on va avoir des duplicants, après on va en avoir d'autres. Et certains en fait travaillent mieux la nuit, travaillent mieux
la matinée, ils ont des fois plus 2 ou alors plus 3 en stats. Et ça, je vais aussi créer d'autres emplois du temps, et par exemple les appeler night shift, donc c'est pour ceux qui travaillent la nuit, et décaler tout ça. Donc en gros, tout le monde va plus ou moins, la base, dans la base, tout le monde va travailler à n'importe quelle heure. Donc ça, c'est important. Moi, j'aime bien faire ça, mais on verra ça plus tard. Donc, ouais, on va les faire un peu accélérer. Par contre, il faut monter les échelles. Voilà. Alors, on va faire une un endroit pour dormir. Je pense qu'on va le faire juste en dessous. Par contre, ça va nous prendre un peu de temps parce qu'on a l'eau. Donc, comme j'ai dit, je pense qu'on va faire tomber l'eau pour éviter d'avoir des problèmes. Comme ça, on aura une zone un peu plus carrée et délimitée, un peu plus délimitée. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas trop s'étaler non plus. En tout cas, on va essayer de pas s'étaler. On va dessiner. On va tout dessiner pour le moment. Comme ça, ça créera la chambre. On va faire ça. Très bien. Elle construit. Ça se passe bien. Et pour la chambre, donc il nous faut des lits. Donc les lits, ils sont ici. Il nous en faut que 3 pour le moment. Donc on n'a pas vraiment besoin d'en faire plus que ça. Alors j'aime bien faire des étages de 4 cases. Parce que 4 cases, en gros, vous pouvez plus ou moins mettre ce que vous voulez. Vous avez toujours les... Je crois les plus gros bâtiments sont à 4 cases. Après, la plupart des bâtiments sont à 2 ou 3. Et du coup, ça vous laisse un emplacement pour mettre des câbles, mettre des tubes. Ou alors mettre des décorations. Les décorations, ça aide. Voilà, c'est pour ça que je fais tout le temps des trucs à 4 la plupart du temps. Donc, 1, 2, 3, 4. C'est ici. Voilà, et on va continuer à creuser par le bas et on va faire tomber l'eau, je pense. Ça va être un peu plus long. Franchement, c'est pas vraiment peut-être la meilleure solution à faire. On va perdre du temps, en théorie. C'est pas le plus efficace non plus. Mais au moins, ça sera fait. Comme ça, on n'a plus vraiment... On n'a pas besoin de trop s'embêter. Aussi, on va penser à faire les recherches. Donc, il va nous falloir du copper, donc on va détruire tout ça. Ça va être important. On va d'abord dessiner l'étage. 1, 2, 3, 4. Sol. Donc voilà, je regarde si j'ai pas fait 2, 3, 1. Si, j'ai fait une connerie. Vous voyez, faut bien regarder les étages. C'est pour ça que je les fais en avance à chaque fois. Alors, 1, 2, 3, 4. Sol. Voilà. Donc ça, c'est faux. On enlève. Aussi, quand vous cliquez sur des parties en fait que vous avez construites, vous avez une copie en bas à gauche qui s'affiche. Donc ça, c'est pratique. J'utilise quasiment tout le temps ça. 1, 2, 3, 4, sol. Voilà, tout est bon. Donc voilà, donc ça, il va falloir plus ou moins tout le récupérer parce qu'on en a besoin pour crafter. Donc on va devoir l'utiliser. Ah, très bien, là on a du copper, donc ça y est, on peut commencer tout ce qui est choses recherche et tout ça. on va le mettre là pour le moment. J'espère qu'elle va pas se coincer la tête, parce que des fois les duplicants sont un peu débiles. Par contre lui, il est bloqué. Il s'est bloqué comme un idiot. Donc faut faire un peu attention. Voilà, maintenant il peut redescendre. Alors ils peuvent descendre de 2 cases. Voilà. S'il avait détruit cette case, il pouvait plus descendre. Ce con. Donc voilà, faut faire attention.
Ils peuvent se bloquer, hein. Ils se bloquent très souvent même. Ils se bloquent très très souvent. Donc ça c'est un peu emmerdant. Donc on a ça à construire. Il va nous falloir de l'électricité. Donc il nous faut encore plus de métal, donc ça on va le détruire. Et il va nous falloir des câbles aussi.